de capitale ici aujourd'hui. Dat is een eer voor mij om vandaag hier te zijn om onze parlement te vertegenwoordigen. Niettemin, mensen eigenlijk zijn aan het sensibiliseren op de kanker. En de televisie is een van de beste manieren om eigenlijk uw woord of uw hoor te laten horen eigenlijk wat eigenlijk elke wijk, que chaque quartier a un mot à dire. Et l'enseignement que nous avons aujourd'hui, c'est que ce quartier vivant, ces hommes et ces femmes qui habitent ce quartier, ces enfants, se mobilisent aussi pour le télévis. Et ça, c'est formidable, c'est une belle chose. Vous faites des choses que parfois même les politiques ne font pas. Sensibiliser autour de vous, rassembler les moindres économies que vous avez pour aider à la recherche. Mesdames, messieurs, en dehors, je suis le président du Parlement, le premier vice-président de ce Parlement, et aussi des convictions. Qu'ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, mais en tant que musulman, j'ai toujours appris que le plus important chez Dieu, c'est pas ce qu'il nous a donné, mais c'est ce qu'on en fait. Peu importe qu'on soit intelligent, qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence que Dieu nous a donnée? Qu'est-ce qu'on fait avec la force? Qu'est-ce qu'on fait avec l'argent que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on fait le bien ou est-ce qu'on fait du mal? Mesdames, messieurs, il y a des gens qui utilisent leur cerveau pour compter des cartes dans certains cafés, et d'autres qui utilisent leur cerveau pour essayer de faire avancer la recherche. Aujourd'hui, la recherche coûte une certaine somme d'argent qui n'est pas facile à récolter. Et chaque euro est important. Et donc aujourd'hui, vous montrez que vous voulez aussi contribuer à y faire reculer cette maladie qui effectivement touche toutes les familles, quelles que soient les convictions religieuses, philosophiques ou culturelles, qu'on soit croyant ou pas, qu'on soit belge ou belge ou qu'on soit d'origine étrangère, tout le monde est touché par cette maladie. Et aujourd'hui, avec l'association Génération ASBL, vous montrez effectivement que vous aussi, vous apportez votre pierre à l'édifice. Et franchement, au nom du Parlement, je vous remercie toutes et toutes. Et vive Télévis, vive Génération ASBL. Merci. Bravo.